Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire à Kwamoutou, une localité de la province du Maïndombé. Le gouvernement entreprend des mesures pour un retour au calme. Le gouvernement de la République s'est penché sur la question au cours du Conseil des ministres tenu ce vendredi 3 septembre 2022. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. À la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a d'abord tenu à rassurer le Conseil que le gouvernement suit de très près et demeure attentif à l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamoutou, Promesse, Nouma, Ndombé, depuis les violents affrontements communautaires signalés il y a quelques jours entre les communautés Yaka et Teke. C'est ainsi qu'à la suite de la réunion de sécurité qu'il a présidée le 31 août dernier, à la lumière des éléments du rapport qui lui a été adressé à l'occasion, il a décidé de l'envoi ce vendredi de la même délégation dans la partie Yaka pour une prise en compte globale des causes de ces conflits. En sus, des mesures idoines ont été prises pour venir en assistance aux populations tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Le projet Bien grandir pour la santé des jeunes adolescents attend la pérennisation des acquis après 7 ans d'existence. Le Programme national de la santé de reproduction et le ministère de la Santé, principaux responsables de ce projet, se sont retrouvés pour la session de formation des jeunes adolescents. Rodé Panda nous en parle. IR a totalisé près de 7 ans depuis sa mise en œuvre par l'organisation internationale Save the Children. Aujourd'hui, il est arrivé à terme. Après la formation de jeunes assurée par Save the Children à travers ses projets Bien grandir, le conseil de jeunes vient d'être lancé depuis le 1er septembre pour continuer à travailler désormais comme groupe consultatif dans les programmes pour la promotion et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. C'était une présentation officielle avec le ministère de la Santé, représenté par le Programme national de santé des adolescents, qui va aussi accompagner ces jeunes-là pour pouvoir continuer aussi à pérenniser les différents acquis dans les autres domaines, dans les autres provinces où le projet Save the Children n'a pas pu être présent. Si aujourd'hui nous avons accompagné ces jeunes qui étaient hier des simples participants à nos activités et à devenir une association sans but lucratif, c'est déjà une pérennisation. Pour permettre à ces conseils de jeunes du projet Bien grandir d'atteindre ses objectifs, le ministère de la Santé devra y accorder un accompagnement. Ce que nous attendons, c'est bien sûr, comme je vous ai dit ici, d'atteindre les changements des comportements en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Il convient de souligner que la mise en place de ces conseils de jeunes Bien grandir compte bien pérenniser les acquis de la formation dans le cadre de ces projets qui visent la transformation de normes de genre défavorables à la santé sexuelle et la santé de reproduction des jeunes adolescents en RDC. On en vient maintenant à cette priorité du gouvernement congolais, l'agriculture. Dans le cadre du lancement de la saison culturelle 2022-2023, le ministre de l'Agriculture s'est entretenu avec les petits agriculteurs du village Chacha à Massissi. C'était après avoir visité les champs des légumes et d'autres produits vivriers. Marthe Mangazakalala. Et à communiquer la même impulsion de résilience à tous les centres et sites de production agricole partout en République démocratique du Congo en ouverture de cette saison culturelle, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirionze, est arrivé à Chacha, toujours au nord Kivu, dans les territoires de Massissi. Ici, les patrons de l'agriculture, ou à la main, s'est livré à une activité champêtre avec les agriculteurs de cette partie du pays. Juste après, il a visité les champs de légumes, de fruits et divers produits vivriers. C'était avant de s'approprier les désidératas des membres de l'association villageoise de l'emploi et crédit avec en sigle. Regroupant environ 60 000 exploitants agricoles, cette association est appuyée par la FAO, l'EPAM et l'UNICEF, à travers majoritairement le financement depuis 2018 du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.
Signalons que ce financement a contribué à la stabilisation des communautés vulnérables dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et au renforcement de la production agricole et des marchés de produits de base, passage obligé pour garantir la sécurité alimentaire. Promouvoir la consolidation de la paix dans cette région où les nombreux déplacements des populations causés par l'insécurité contribuent par ailleurs l'objectif de cette association afin de préserver les tissus socio-économiques de la province du Nord Kivu. Une vie épanouie de la femme implique un bon encadrement et une bonne orientation à travers la conférence organisée par l'Alliance pour l'unité du Congo sur le thème l'autonomisation de la femme. Les informations sur le comment entreprendre ont été présentées aux femmes et jeunes filles venues de tous les coins de la capitale Kinshasa. Les précisions de Rodépana. Assurer un bon encadrement de la femme, c'est lui garantir son autonomie de manière intégrale. L'Alliance pour l'unité du Congo AVC, une structure à caractère social qui soutient le FPAU, fait de cette question de la femme sa préoccupation au cours d'une conférence tenue ce vendredi 2 septembre au siège de FPAU autour du thème « L'autonomisation de la femme ». Plusieurs dizaines de femmes et jeunes filles désœuvrées ont été sensibilisées pour une prise de conscience et leur montrer comment entreprendre avec de nouvelles techniques. Ce en vue de la stabilisation de la vie épanouie de la femme. Selon Élisée Mujinga, secrétaire générale de l'AVC, l'autonomisation de la femme passe par l'encadrement et une bonne orientation. Former aux mamans pour qu'ils soient en vertu de se prendre en charge dans les différentes couches sans distinction. Avec cette coopérative-là, ça va permettre de donner à toutes les mamans qui sont dans des activités différentes pour qu'ils soient en mesure de se prendre aussi en charge. Éclairé à travers cette matinée d'information et d'apprentissage, les femmes de l'AVC ont décidé de mettre en place une coopérative, c'est enfin d'accomplir l'épanouissement de la femme de l'AVC, mais aussi toutes les femmes congolaises. Cette année, les familles monoparentales de Kinshasa ont une aide pour bien préparer la rentrée scolaire de leurs enfants prévue le lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'une structure d'encadrement de cette catégorie de personnes dénommée Double Grâce. Celle-ci a offert des cahiers et des sacs à ses enfants. Les défis à relever dans l'éducation des enfants en tant que mère célibataire sont énormes. Pour des raisons multiples, nombreuses sont de femmes qui élèvent seules leurs enfants. La situation des précarités économiques qui les plus souvent en résulte aboutit à la délinquance juvénile. Situation qui n'a pas laissé indifférente quelques femmes de la commune de Mongafula à la veille de leur entrée scolaire. Regroupées au sein de l'ONG Double Grâce, l'une des structures du ministère du Genre, ces femmes ont remis quelques fournitures scolaires à ces familles démunies. Nous nous rencontrons toutes les fins du mois. Nous nous rencontrons pour des formations théoriques et pratiques. Nous sommes en train de former les mamans, les femmes monoparentales, à apprendre quelques petits métiers pour devenir autonomes. Donc, mais cette fois-ci, nous nous sommes rencontrés parce qu'il y a la rentrée scolaire la semaine prochaine. Alors, nous les avons appelées pour essayer de les soutenir un peu avec le peu que nous avons. Nous les soutenons en leur donnant quelques fournitures scolaires. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges face à ces gestes de cœur. Je suis très heureuse et je manque de mots pour remercier cette maman. Grâce à elle, nos enfants viennent de bénéficier des sacs, cahiers et stylos. Tout ce qu'elle fait contribue à la gratuité de l'enseignement de base. Il sied de noter que cette structure favorise également l'apprentissage des petits métiers à ses membres pour leur auto-prise en charge. Elles sont dans plusieurs domaines, notamment la coupe et couture, la fabrication de savon et autres produits de première nécessité. La RDC, pays prospère en 2022, c'est l'objectif affiché par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a réitéré son engagement en faveur de ses projets de développement et du bien-être de la population. Et le plan de modernisation des infrastructures routières figure dans l'axe 1. C'est dans ce sens que 8 ponts ont été construits sur la route Ngindinga, Kisantu, et 1 sur la route qui va vers Kamba. Ils ont été inaugurés par le gouverneur du Congo central. Ces images
images vous sont commentées par Françoise Bouelawaki. La connectivité du pays par les routes, le gouverneur du Congo central, Guy Bando Ndongidi, vient de donner le ton sur la route nationale numéro 16. Sept ponts viennent d'être érigés sur la route Ngidinga-Kisantu, objectif relier le Congo central au Kwango. Cet axe représente une voie d'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation pour lutter contre la crise alimentaire et promouvoir la consommation des produits locaux. Une façon de matérialiser sa vision de la modernisation des infrastructures contenue dans le programme d'action gouvernementale. Dans le territoire de Mbanzangungu et de Madimba, le numéro 1 de la province a inauguré le pont Lunzadi, qui fait le bonheur de tous ceux qui se rendent à la cité sainte de Nkamba, tel que mentionné par le ministre des Infrastructures, Léopold Mbadou. Un événement porteur d'un vent d'espoir qui souffle de Kasangulu à Mwanda, de Nkamba à Luozi, de Mbatambenge en Sioni. Votre vision des infrastructures routières en particulier, Excellence, Monsieur le Gouverneur, apporte une révolution derrière laquelle votre commissariat s'inscrit de manière intelligible, réfléchie pour une mise en œuvre avérée de cette vision porteur d'espoir dans les domaines des infrastructures. Pour de nombreux observateurs, un vent nouveau souffle. Il apporte du pragmatisme dans l'action publique dans cette province, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ces travaux ont été financés par le FONER, travaux exécutés par l'Office de route, sous la vigilance du Bureau technique de contrôle et le suivi de l'homme de terrain, Léopold Mbadou, ministre provincial des infrastructures. Toujours dans le Congo central, cette fois-ci dans la commune de Nzaza, ville de Matadi, les jeunes en conflit ont été sensibilisés sur le civisme et la courtoisie. C'était lors de la rencontre entre les jeunes de Kapou et de Pompage, d'Initiative et de l'élu provincial, Goufin Kissou, Iverson Kaboba nous en parle. Topper le banditisme dans le milieu urbain, c'est l'affaire de tous. Le jeune de Kapou et ceux de Pompage dans la commune de Nzanza dans la ville de Matadi au Congo central ont accepté enfin de se réconcilier. Une matinée de sensibilisation sur le civisme et la courtoisie organisée par l'honorable Rifin Kissilou était une occasion trouvée belle. Une rencontre de football a précédé cette manifestation pour inciter la population de Nzanza, mais surtout des jeunes, à la convivialité à l'approche de la rentrée scolaire. Une initiative saluée par la population qui estime que ces gestes constituent un mouf de soulagement pour la sécurité de la ville de Matadi. D'autant plus que le conflit entre ces jeunes a toujours été une occasion d'enregistrer des dégâts matériels et humains lors des affrontements. Présent à cette rencontre, le bourgmestre de la commune de Nzanza, Nour Lukombo, a remercié le député Rifin Kissilou pour son implication afin d'amener un climat de paix dans sa juridiction. Un atelier de validation dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Les travaux se sont tenus à l'hôtel Memling. Un troisième contrat a été signé entre l'État congolais et la Régie des eaux en vue de poursuivre et de consolider les actions déjà entamées. Reportage. C'est donc sur les coups de ces passés de 40 minutes que les travaux de cet atelier ont définitivement pris fin. Ces nouveaux contrats de performance étant tendus, selon le directeur général intérimaire de la Régie des eaux SA, Jonas Takusa Labiakou, comme un outil de gestion et de régulation à caractère dynamique et prospectif, devant permettre à l'opérateur public du secteur de répondre aux nouveaux défis du secteur de l'eau. Dans son mot de clôture, au nom du ministre Olivier Mounzemoukaleng, empêché, le secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité s'est dit satisfait des résultats obtenus. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, de placer ces mots de la fin. Ainsi, je déclare clos l'atelier de validation du contrat de performance État-Régie des eaux. C'est au mois de juillet 2009 que le gouvernement de la République avait levé l'option de restructurer la Régie des eaux SA dans le but d'améliorer les performances des productions et des fournitures d'eau potable à la population en milieu urbain, lesquelles s'étaient fortement détérioré. Là, je crois que l'État, cette fois-ci, va aborder ce troisième contrat des bons pieds pour vraiment nous donner les moyens. Et en retour, nous, on va faire de notre mieux pour donner des résultats. Cet atelier de validation s'inscrit dans la droite ligne de la réforme du secteur de l'eau en République démocratique du Congo.
condamné à 7 ans de prison et d'une amende de même d'un million de francs congolais au cours d'une audience foraine tenue au parquet de Ndjili, Longomo Ingulu, c'est de lui qu'il s'agit. Présumé voleur des compteurs de la Rive des Eaux a été arrêté dernièrement par la police. Voilà cela plus en détail avec Serge Merlematin. Longomo Ingulu Peggy, c'est de lui qu'il s'agit. Il a été appréhendé avec 8 comptes de la Régie des Eaux SA. À la barre, dans sa plaidoirie, l'accusé Longomo Ingulu Peggy a nié les faits qui lui sont reprochés. À l'issue de cette audience foraine, le tribunal a condamné l'accusé à 7 ans de servitude pénale et une amende d'un million de francs congolais à titre des dommages et intérêts à la Régie des Eaux SA. Le tribunal a également ordonné à ces jeunes condamnés la restitution des biens volés. En conséquence, condamne le prévenu précité au paiement de la somme de 30 millions de francs congolais. Jean Bosco Mwaka, Indélé, directeur provincial, la Régie des Eaux Kinshasa, a tout d'abord remercié cette institution judiciaire pour la tenue de cette audience pédagogique et de dissuasion par rapport à ces faits qui sont devenus récurrents à Kinshasa. Il a en outre exhorté la population à l'abandon de ces mauvaises pratiques. Les biens de la Régie des Eaux, c'est les biens de tout le monde. Personne ne peut voler les biens de la Régie des Eaux. Et la Régie des Eaux, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, souffre d'un mal profond. Et ce mal, c'est le vol. Ainsi donc, la Régie des Eaux SA porte désormais à la connaissance de l'opinion publique que tout celui qui s'hasardera à commettre des actes de vandalisme, des vols d'eau, des destructions de tuyaux et d'ouvrages, des productions d'eau potable, ainsi que des poses, des raccordements clandestins et bien d'autres encore, subira les mêmes sorts. Après son entretien avec le président de la République sur plusieurs projets de développement du Kasaï central, les habitants de cette province remercient leur gouverneur pour son initiative. Lancement daté du lundi 10 septembre 2022 des travaux de construction de la route de l'espoir Kananga-Kalambambouji par le chef de l'État en personne, sauf changement de dernière minute, c'est l'une des retombées positives du tête-à-tête entre le président de la République et John Kabeyashikai, gouverneur du Kasaï central, ce jeudi 1er septembre 2022 à la cité de l'Union africaine, lorsque ce dernier était reçu en audience par Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Une nouvelle qui a réjoui plus d'un centre kassaïen dont les espoirs de désenclavement sont focalisés sur cette route. Il y a lieu de retenir qu'en dehors de cet acquis, le numéro 1 du Kasaï central a dressé le tableau des autres priorités attendues, telles le démarrage des travaux de la voirie, la lutte anti-érosive, réhabilitation de la Régie des Eaux, installation et inauguration d'une agence de transport aérien dont le siège social sera installé à Kananga. Le tout accompagné d'une batterie de mesures pour encadrer le déroulement des 10 travaux. Pour la route de Kananga-Kalamambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera Kananga pour le lancement des travaux de Kananga-Kalamambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kasaï. Nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura vraiment certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qui reste à faire et puis qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Le président de la République s'est dit déterminé à soutenir tous ces projets qui visent le développement du Kasaï central. Et ce message de l'unité et de paix pour le développement de la province de la Mongala, il a été lancé par le nouveau gouverneur de cette province et qui a foulé récemment le sol de la ville de Lissala. César Limbaya a été chaleureusement accueilli par la population de cette entité. Les explications de Rodé Panda. Maître César Limbaya Mbangasi, nouveau gouverneur élu de la province de la Mongala, vient d'arriver dans la ville de Lissala ce 2 septembre 2022. Un accueil frénétique et triomphant lui a été réservé par les autorités politico-administratives, les responsables des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, mais aussi par l'ensemble de la population venue de tous bords. Le cortège de l'homme fort de la Mongala est passé par l'avenue Aérodrome jusqu'au bâtiment administratif du gouvernorat, lieu où il a tenu son meeting. Chant patriotique entonné, suivi du mot de bienvenue du maire de la ville de Lissala, Maître Romain Atongoli, pour rassurer l'autorité provinciale de l'accompagnement de manière unanime de tous les Mongolais durant l'exercice de son mandat. Du haut de la tribune, le gouverneur de province, Maître César Limbaya, a de prime abord réservé
Une mesure distinguée d'hommage à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle dans la solution trouvée à la question qui divisait les Mongolais après l'élection de gouverneur du 6 mai dernier. Le numéro 1 de tous les Mongolais n'a pas oublié de féliciter les députés provinciaux pour l'avoir porté dans leur cœur. Une mention de remerciement a été aussi accordée à toute la population. La province de la Mongala, longtemps demeurée dans des querelles intestines, ne mérite plus ce sort. Nous, l'exécutif provincial et l'assemblée provinciale, y compris les institutions sœurs, nous devons être unis pour la construction de la Mongala à la chaîne des nouvelles hommes forts de la Mongala. Il n'y a pas un climat malsain au sein de l'Institut national de préparation professionnelle, confirmation faite par la délégation syndicale ce samedi lors d'une déclaration. Séverine Pascal Katanda. Social règne à l'Institut national de préparation professionnelle. L'équipe dirigeante de cet institut offre aux agents et cadres un bon climat de travail, ce qui lui permet d'ailleurs de poursuivre son gigantesque plan d'implantation de l'INPP à travers la République. La délégation syndicale de l'INPP qui s'est exprimée ce jeudi 1er septembre confirme le respect de la mise en pratique de la convention collective pour pérenniser la paix sociale et la poursuite du projet de renforcement des capacités avec le partenaire traditionnel. La poursuite de coopération avec les partenaires traditionnels, notamment la JICA, l'AFD et autres, continue de porter les fruits. Nous attirons l'attention de l'opinion sur le fait que l'élan de développement matérialisé aujourd'hui par l'amélioration des conditions de vie sociale de tous les personnels de l'INPP et la poursuite de la coopération avec les partenaires pour la modernisation des infrastructures, fruit de la conjugaison d'efforts et de l'étroite collaboration entre l'employeur et les travailleurs représentés par la délégation syndicale nationale n'a pas besoin d'être caché par des rumeurs. Cette même équipe attire l'attention de l'autorité gouvernementale sur la nécessité de maintenir l'élan de développement matérialisé par les comités de gestion Patrick Kayembe-Sompi. Le comité national de population renoue avec les activités pour remplir sa mission d'organe consultatif sur les questions de population. Une rencontre a été organisée pour réfléchir autour de ce sujet. Céline Kenina nous en parle. Une session de sensibilisation qui revêt deux caractères, notamment informer les membres du Comité national des populations sur sa structuration, sa mission et fonctionnement pour sa redynamisation. Dans son mot des circonstances, le secrétaire général au plan a évoqué également les échanges dans le cadre de l'accord du deuxième partenariat entre la République démocratique du Congo et l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale CAFI, signée à Glasgow en Écosse en 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le premier ministre britannique. La vision de son excellence, monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans son engagement à mettre au centre de son action les questions des populations en République démocratique du Congo. Le patronage de son Excellence M. Christian Mondosimba-Kabudo, ministre d'État, ministre du Plan, dont je salue le leadership éclairé, arrive à point nommé car elle présente l'opportunité de faire un plaidoyer en vue de renforcer l'appropriation par les autorités, les responsables des services publics de l'État, la société civile. Créé en 1986, le Comité national des populations est un organe consultatif du gouvernement et un cadre institutionnel chargé de la coordination des questions des populations et des ressources humaines en République démocratique du Congo. Autre fait de l'actualité, renforcer la sécurité des populations à travers l'expérimentation de la doctrine de police de proximité. C'est l'objectif de cette réunion sur la police de proximité organisée par l'Organisation internationale pour les migrations. Les détails avec Iverson Kabob. C'est une dernière réunion du comité de pilotage du projet police de proximité organisé par l'Organisation internationale pour les migrations, le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONIFAM le mercredi 31 août à Pullman. L'objectif était de présenter la réalisation de ces projets mis en œuvre dans la province du Kasaï, les défis rencontrés, évaluer les progrès dans l'exécution du projet à ce jour
et formuler les recommandations. Dans le cadre de cette transition de la MONUSCO, je voudrais aussi mentionner, et ça concerne beaucoup la PNC, que nous avons aussi ce gros programme conjoint des Nations Unies qui va amener sous un seul toit la MONUSCO, les agences des Nations Unies, l'OIM, le PNUD et d'autres, je pense, dans ce qu'on appelle le programme conjoint d'appui à la PNC. Une fierté pour la province du Kasaï qui veut restaurer la confiance entre la population et les autorités à travers une gouvernance sécuritaire. Suivant la vision de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, la République démocratique du Congo accorde une importance capitale au rétablissement de la sécurité et à la consolidation de la paix à travers tout le pays. Pour assurer le maintien de l'ordre public ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Pour rappel, ce projet est mis en œuvre au Kasaï par OIM, le PNID et l'ONIFAM avec l'appui des fonds de consolidation pour la paix pour renforcer la sécurité des populations à travers l'expérimentation de la doctrine des polices de proximité. Au total, 200 agents de la police ont été formés durant la mise en œuvre de ces projets. Et maintenant, allons-y faire un tour dans la province du Lualaba. On y va découvrir le territoire de Sandowa avec son grand potentiel agricole. C'est un grand reportage, notre consoeur Angèle Mabiala. Le territoire de Sandowa est situé dans le sud-est de la République démocratique du Congo, juste un peu au centre de la nouvelle province de Lualaba. Il est délimité au nord par les territoires de Kapanga, au sud par le territoire de Dilolo, frontière naturelle, sur la rivière Lushenji, et à l'est par le territoire de Kamina et Kanyama, limite naturelle sur la rivière Lubilanji, et à l'ouest, il est limité par la République d'Angola, limite naturelle sur le fleuve. Le territoire de Sandowa est drainé par plusieurs rivières, dont la rivière Lulua, Lubilanji, Kajileji, Lushenji, qui sépare Sandowa du territoire voisin de Dilolo, et Kamafika, Zombo, Rova, Randou, Louéou, Louiso et Kasaï. Il existe un grand potentiel agricole et un environnement très favorable à l'élevage. Cependant, il peut y avoir de l'or, en particulier dans les rivières et parfois sur le continent. Deux grands groupes ethniques existent. Il s'agit de la tribu Tshokwe et Lunda. Tshokwe est majoritaire dans le Wiché Ferry qui compose le territoire. Cependant, nous rencontrons le Kaoudi Lunda dans la chefferie Chipao et les Primino Lunda dans la chefferie Kayembe Mukulu. Langue parlée sur ces territoires, le Swahili à 85%, le Tshokwe 65%, le Lunda 35% et le Lingala à 5%. Le Swahili est la langue couramment parlée par la population locale. Lunda et Tshokwe sont les deux langues vernaculaires parlées à Sandowa. Dans les territoires nord voisins, le Lunda est davantage parlé comme langue locale. Plus au sud, sur le territoire de Dilolo, le Tshokwe et d'autres langues dominent en tant que langue locale. Le territoire de Sandowa est donc comme un carrefour de langues locales parlées dans les deux territoires voisins. Suivons à présent les activités en rapport avec le ministère du Genre, Famille et Enfants que nous propose notre consoeur Paulette Lomba. Mettre à la disposition de femmes des renseignements suffisants, clairs et précis, des actions réalisées par le président de la République, voilà entre autres objectifs poursuivis par la croisade d'informations sur les réalisations et obstacles rencontrés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession à la magistrature suprême jusqu'à ce jour. Cette campagne de sensibilisation, lancée officiellement par Brigitte Kinkoufi, présidente de la structure dénommée Moissia Congo, a pour credo l'osonandekete. Entendez, ne donne pas ta voix à n'importe qui. En fait, les objectifs de cette croisade est d'éclairer l'opinion congolaise, de faire voir à la femme et à l'homme genré, de savoir ce qui se passe, comment le président est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qui ne marchait pas, quelles démarches a-t-il effectuées jusqu'à ce jour. Il y a beaucoup de discours déstabilisateurs qui nuisent et puis qui rongent la population congolaise. L'os, c'est les Congolais, Ndeke, c'est les non-Congolais. Donc, on ne peut pas céder notre Congo à n'importe qui. On doit le céder à un fils du pays. Cette opération de réarmement
morale de la population s'étendra dans les 24 communes de la ville-province Kinshasa en format des districts, ainsi que dans les 26 provinces que compte la RDC. Suivez à présent ce meeting organisé par l'Action commune. 28 août 2022, un jour nouveau pour l'Action concrète pour le changement MSACC Makanisi Yasika. Ce jeune parti politique que dirige Maître Bienvenu Boubou Dewagui fait son entrée dans la sphère politique à un moment décisif pour la RDC afin de nourrir la démocratie. L'esplanade de la Fikine, décorée aux couleurs du parti, a été prise d'assaut dès les premières heures de la matinée par les cadres et militants ainsi que plusieurs représentants des autres partis politiques pour répondre à ce grand rendez-vous. Très optimiste dans son allocution, Maître Bienvenu Boubou Dewagui pense à un Congo nouveau, et ce grâce à ce courant politique qui, en toute neutralité, prend de la place au sein de la société. Pas seulement par des critiques, mais aussi par des propositions constructives dans les pratiques de gestion. Une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC et RDTS s'écrit sous nos yeux. ACCMS, c'est cette partie-là qui est venue pour redonner espoir aux Congolais, aux intellectuels, à toutes les couches de la population congolaise, afin que nous puissions nous réapproprier notre destin. Parce que nous sommes convaincus qu'un autre Congo est réellement possible. Il suffit de le vouloir. Pour la CCMS, il est impérieux de recréer un nouvel État. Le secteur de la justice est une véritable colonne vertébrale pour asseoir l'État de droit. L'appel a été donc lancé à tous les Congolais à s'approprier son propre destin pour un lendemain meilleur. Rappelons qu'avant cette sortie officielle, plusieurs formations idéologiques ont été initiées à l'intention de cadres afin de mieux s'armer pour faire de la politique autrement. L'ACC est présente déjà dans quelques provinces, notamment à Kinshasa, Nord-Ubangi, Haut-Ouélé, Sud-Kivu et le Congo central, et compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national. La lutte contre la pauvreté est l'une des priorités du gouvernement congolais et l'engagement pris par le président de la République, un objectif soutenu par l'organisation Nzela Yambongwana en faveur de la population. On en parle avec Peggy Mukunda. L'activité a débuté par la prière suivie de l'hymne national. Prenant la parole, la présidente de l'association Thérèse Kabedi Ilunga a dévoilé les champs d'action de son organisation Nzela Yambongwana. Celui-ci consiste à permettre à la population longtemps en maîtrise de surmonter les défis de la pauvreté auxquels elle est confrontée. La motivation, c'est voir notre parti qui est en train de se diviser. Nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour les bâtir ensemble. Ensemble, nous bâtirons ce Congo de nos rêves. N'oubliez pas, les changements, c'est vous. Monsieur Christian Timanuka, dans son rôle de motivateur, a sensibilisé et exhorté toutes les personnes de bonne volonté de mettre la main à la pâte en vue de réussir ses projets bénéfiques à la communauté. Selon lui, Nzela Yambongwana, l'œuvre non seulement d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tous. Le secrétaire général Gauthier Ndangi Ndiakana n'a pas manqué de louer l'organisation de la manifestation. Notre objectif a pour but principal développement intégral. Donc nous œuvrons dans plusieurs domaines. S'il y a un changement de mentalité au sein de notre population, nous croyons aussi le soutien aussi de la population. Les gens qui sont sympathisants, qui sont aussi des membres adhérents de notre NGD, nous croyons que leur main forte fait en sorte que nous avançons de l'avant et nous croyons apporter une modeste contribution pour le développement de notre pays. La cérémonie haute en couleur a été immortalisée par une photo des familles. Action Fati 2023, une structure qui soutient les actions du chef de l'État, son coordonnateur national, a animé aujourd'hui un point de presse au cours duquel il a proposé la création d'un ministère d'investissement dans le prochain gouvernement. Alain Bikaï. À l'aube des réaménagements techniques du gouvernement Samalou Kondé, l'action Fati 2023 fait des propositions devant booster les secteurs d'investissement en République démocratique du Congo et les défis à relever. Pour ce cadre de l'IDPS, Patrick Onoya, dans la prochaine équipe gouvernementale, le chef de l'État doit créer un ministère chargé d'investissement. Un ministère qui aura pour mission de concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que le budget 2023 soit un budget pro-investissement et social. Poursuivant, ces jeunes enseignants des universités appellent
à la réforme de l'Agence nationale de promotion d'investissement en Agence nationale de développement pour l'investissement et les FPI en banque d'investissement placée sous tutelle de ce ministère. Dans les propositions que nous faisons ici, nous disons ceci. Les 14 milliards, c'est une chose, ça ce sont les 14 milliards publics. Mais avec un développement du secteur privé, nous pouvons atteindre au moins 30 milliards pour l'année 2023, je m'explique. Avec l'ANAPI réformée, l'ANADI, avec le FPI réformé en banque d'investissement, nous aurons la possibilité, avec la société de placement, nous pourrons encore attirer aisément pour l'année prochaine même 10 milliards. C'est possible. Pour Patrick Onoya, ces réformes permettront au pays de bénéficier des milliards qui circulent dans ce secteur d'investissement dans le monde. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. 20h, Sandra Nangitabou sera sous ce plateau pour vous informer à nouveau. Bon week-end chez vous et bonne suite des temps à toutes et à tous.